Prince. Bonjour mon petit Michel. Comment ça va, Maria? Oh, ça va bien, ça va bien. Enfin, j'ai des soucis toujours avec l'autre loustique, hein. Ouais. Mon pauvre Michel, je vous garantis que c'est pour un d'éduquer un gamin à l'époque où on est, hein. C'est parti. En ce moment, le mien passe ses journées scotchées devant les anges de la télé-réalité. Ah oui, bah oui. Ah, bah, ça me rend folle. Franchement, je sais vraiment pas ce qui peut te plaire là-dedans. Moi, ce qui me plaît dans cette émission, oui, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas connus, et ben qui sont devenus des stars. Ah, voilà l'histoire. Ah, non, voilà. Ben, parfaitement. Puis, alors, quand je vois ça, je me dis que j'ai peut-être ma chance. Vous n'importe quoi. Marquez, c'est con qu'il n'ait pas le physique, parce qu'au niveau QI, il serait pile à sa place là-dedans. Pourquoi tu dis ça? Non, mais mon pauvre gamin, as-tu vu le troupeau d'abrutis au mètre carré qu'il y a dans cette émission? Non, ben, je... les anges de la télé-réalité, ben, mon vieux. Tes anges, ils n'ont pas grand-chose sous l'auréole, mon vieux. Et pourtant, c'est une sélection des meilleurs candidats. Ah, ça, c'est... D'accord, tout s'explique. C'est la crème des crèmes. Mmh. La ligue des champions de la connerie. Tu m'étonnes qu'ils maîtrisent, les gars. Hein. Attends, mais c'est marrant. C'est marrant à regarder. Ça distrait. Tu sais, des fois, le soir, t'es crevé, tu regardes ça, tu penses à rien. Ah, ouais, c'est... Ça, c'est sûr que question de penser à rien, là, t'es servi. Tu peux pas faire mieux. Non, mais tu rigoles, ça lave la tête. Non, Christian, des trucs comme ça, ça lave pas la tête, ça la salit. Franchement, Michel, ça devrait être interdit de montrer tant de bêtises aux gens. Ah, moi, ça me fout en colère, vous voyez, hein. Mais non, mais franchement, c'est beau à regarder. Toi, t'aimes bien les jolis garçons. Oui. Est-ce que t'as vu les gars là-dedans, comment ils sont gaulés? Tu parles. Ils sont bronzés, musclés, tatoués. À force de bronzer, ils ont dû se faire cramer les neurones aussi. Pourquoi dis donc, au niveau cervelle, c'est la step, hein. Les gars, tu les entends causer à côté Ribéry, c'est Victorio, hein. C'est malin, les mecs, craint dans le ciboulot. Si au moins ils avaient l'intelligence de se taire, ça. Pourquoi? Parce que la connerie, c'est comme quand t'as de la salade dans les dents. C'est-à-dire, je comprends pas. Quand t'as de la salade dans les dents, tant que tu fermes ta gueule, ça se voit pas. La connerie, c'est pareil. Voilà, c'est le type. Ouais. Tu fais. Par contre, est-ce que t'as vu les nanas qui sont en bas? Elles sont super belles. Oh, bah, elles sont belles. Tu sais, Christian, la beauté, une fois que t'as éteint la lumière, ça se voit plus. Hein. Par contre, la connerie, à ce niveau-là, même dans le noir, ça scintille. Elles sont bêtes, ces pauvres filles, à croire qu'ils leur ont pris des bouts de cerveau pour leur refaire les nichons, des fois. T'as vu où c'est qu'ils sont? Sous les palmiers, sur les plages de rêve, on n'ira jamais, nous, là-bas. Hein. Moi, je préviens. Je prends l'intention de rester dans notre troupeau, mais toute ma vie. Écoute-moi bien, Christian. Vaut mieux vivre dans le trou du cul du monde que dans un monde de trou du cul. Voilà. C'est pas vrai? En blague. Ça te fait pas rêver, toi, tous ces endroits aphrodisiaques, là. Paradisiaque, abruti, pour aphrodisiaque. Ah, le jour où les cons font des étincelles, t'as intérêt à fermer le gaz, toi. Hein. Franchement, complètement cintré. Hein. Te garantis. En fin de compte, tu devrais peut-être y inscrire au casting de ce machin-là. Ah oui, parce que t'es tellement bête. Même Lay, il te prendrait quand même, tout de suite. Je devrais le faire, alors. Ah, oui, c'est sûr. Et après, direct. Je fais danse avec les stars. Oh ben là-bas, la chose maintenant. Danse avec les brels à la limite, oui, mais pas danse avec les stars. Pourquoi, parce que tu seras jamais une star, Christian. En plus, tu danses comme une cuve à fioul. Remarquez, en fin de compte, cette émission-là, c'est pareil. Je me demande si ça serait pas plus intéressant avec des vrais brels comme toi que leur fausse star à eux. Au moins, on rigolerait. Hein. Je suis sûr qu'en 3 semaines, tu deviendrais la star des brels, toi. Alors, ça serait mon rêve. Ah, oui. Questionnement. Parce que du coup, est-ce qu'il vaut mieux être la star des brels ou la brel des stars? Parce que là, du coup, je vois pas bien la différence entre brel et star. Bah déjà, à partir du moment où tu te prends pour une star, t'en es pas une. T'es plus une brel. Exactement. D'accord. Mais Jacques Brel, c'était une star. Oh la brel. Christian, fais-moi plaisir, ferme-la maintenant. C'est pas salade dans les dents, non? Il est imbattable, hein? Imbattable dans son domaine, hein? Dit dommage que la connerie soit pas discipline olympique. Parce qu'avec toi, on n'aurait pas fini de l'entendre sonner, la Marseillaise. Allez, viens, mon champion. Des bonnes.